Salut mon ami, je suis Alliance Wotroj Piemoso. Ceci est une petite partie de notre langue formation Bootcamp Hero World orientée emploi que je vous offre gratuitement sur la chaîne YouTube. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation complète si vous voulez plus. Une entreprise qui possède un logo est censée avoir ce qu'on appelle par une charte graphique. Et dans cette charte graphique, on va nous proposer différentes couleurs qui peuvent être utilisées lors de la conception des documents liés à l'entreprise. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir comment on peut insérer ces couleurs définies dans cette charte graphique dans notre logiciel Microsoft Word 2019. Pour ce faire, nous allons d'abord ouvrir notre document dans le sous-dossier C Magazine mensuel d'entreprise, le document Nos couleurs d'entreprise. Nous allons l'ouvrir et qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons voir que nous avons un code RVB à ce niveau et un code hexadécimal. Le code RVB, ça veut tout simplement dire code rouge, vert et bleu. Donc ici, une couleur est composée de, disons, trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Par exemple, notre bleu ici, qu'on va utiliser pour l'entreprise, a une valeur de 24 pour le rouge, 142 pour le vert et 129 pour le bleu. Et là, il s'agit là d'un code hexadécimal, mais ça dépendra de la version de 2019 si vous avez fait des mises à jour sur 2020 où vous aurez la possibilité d'insérer des codes un code plutôt hexadécimal. Et si on n'a pas, je vous ai quand même mis le code RVB, ce qu'on utilise d'habitude dans la suite Microsoft Office. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Très simplement, nous allons repartir dans notre document magazine mensuel et nous allons nous rendre au niveau de l'onglet conception. Je crois que par rapport aux versions, cet onglet peut être appelé création, dans d'autres versions conception. Donc ici, nous allons nous focaliser au niveau du groupe mise en forme du document couleur. Parce qu'on avait vu qu'à la base, un document était basé sur un modèle. Et ces modèles-là, ce sont les thèmes qui définissent ces types de modèles. Vous allez voir ici, nous avons plusieurs thèmes qu'on nous propose. Et c'est quoi un thème? Un thème est juste composé d'un style de police qu'on va définir et aussi des couleurs à utiliser pour le titre, le sous-titre, les entêtes, etc. Alors, nous allons tout simplement cliquer au niveau de couleurs ici. Nous allons nous rendre compte que on nous propose plusieurs couleurs dans cette gamme-là. Il s'agit là d'une bibliothèque. Là, c'est la bibliothèque de Microsoft Office. Et là, j'ai ma bibliothèque personnalisée. Nous, ce que nous allons faire par rapport à l'entreprise, nous allons créer une bibliothèque personnalisée. Nous allons cliquer sur « Personnaliser les couleurs ». Ici, vous voyez, nous avons « Texte arrière-plan sombre »,« Texte arrière-plan clair ». Ces couleurs, si nous pouvons les laisser ainsi, cela ne pose pas de problème. Nous allons peut-être commencer à modifier l'accentuation 1 ici. Mais avant, nous allons d'abord donner le nom. Pour nous, c'est DA2 par exemple. DA2 Mag mensuel. Voilà. Ça sera le nom de notre couleur de thème. Et nous allons cliquer sur accentuation 1. Vous remarquez, on nous propose plusieurs couleurs qu'on peut utiliser. Mais nous allons utiliser les couleurs d'entreprise que nous avons. Donc, on va cliquer sur autre couleur. Et ensuite, voici ce qui apparaît. On nous propose une palette de couleurs au format RVB. Nous avons également la TSL à l'intérieur, mais je vous ai donné que le format RVB. Donc, le rouge, le vert, le bleu. Ainsi que le code hexadécimal lié à la couleur qu'on est en train d'utiliser. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement mettre ce document qui est ici. Voilà, il est là. Nous ne pourrons plus avoir accès à ça. Alors, ce que vous avez à faire, c'est peut-être de les noter quelque part. Ce que moi j'ai fait. Donc, on va commencer à écrire. Par exemple, le code rouge de notre couleur bleue de l'entreprise qui était 24, si vous vous souvenez bien. 24, tabulation, je passe directement au vert. Je tape 142, tabulation, je tape 129.
Vous voyez, ça me donne ce bleu de cette entreprise-là. Alors, j'avais aussi la possibilité, par exemple, là, je vais modifier ça. Et je vais juste mettre le code hexadécimal pour être sûr que ça va nous donner la même chose. 188 E81. Voici ce que cela nous donne. Voilà. Ça nous ramène carrément aux mêmes choses. 24, 142, 129. Nous allons tout simplement cliquer sur OK pour valider cette première accentuation. Nous allons ajouter notre deuxième accentuation. Autre couleur. Voilà. Nous allons mettre l'orange qui est 235 au niveau du R. 158 au niveau du V. Et 3 au niveau du bleu. Voici ce que cela nous donne et le code couleur est bel et bien au niveau du code hexadécimal EB9E03. Nous validons. Et enfin, on va ajouter notre gris bleu, autre couleur. Voilà. Il s'agit là de 68, 68, 84. Et enfin 106. Voici notre gris bleu. Voilà, c'était ces couleurs qui étaient plus essentielles. Maintenant, si dans votre entreprise vous avez plusieurs autres couleurs, il suffira tout simplement de modifier les accentuations qui sont ici et aussi même les couleurs des liens hypertextes, etc. Nous allons cliquer sur Enregistrer pour pouvoir enregistrer ces couleurs d'entreprise. Vous remarquez, dès que nous repartons dessus, nous avons nos couleurs et nous pouvons sélectionner ces couleurs. C'est ce que nous allons utiliser. Vous remarquez que ça vient de changer. Et on nous propose même d'utiliser cela par défaut. Mais avant, nous ne pouvons pas le faire parce que j'ai l'habitude de travailler avec plusieurs entreprises et je ne peux pas cliquer sur cette commande définir par défaut au risque de revenir à tout moment. Autant utiliser créer plutôt des thèmes pour chaque entreprise et je vais les utiliser comme je veux. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons créer des couleurs d'entreprise dans le logiciel Microsoft Word 2019. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation complète si vous voulez plus.